Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Mr. Code2Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour la finale du tournoi de Paris. Donc, sur la dernière vidéo, j'ai terminé le tournoi de Tokyo, j'ai fait tous les défis, vous voyez, les trophées sont en or. Donc, j'ai battu Chris Bosch et D-Wade. Et maintenant, on va terminer sur cette vidéo. On va terminer le tournoi. Donc, on va gagner. On va essayer de gagner contre Blake Griffin et Chris Paul. Et après, on va essayer d'avoir les trophées des deux restants ici. Et aussi celui-là si je réussis. Donc ça c'est marqué 20 points en un match avec des 2 points. Ça c'est contrer un 2 points aller au moins une fois. Donc ce qui est bien en fait c'est que même si je perds je m'en fous. Moi le plus important c'est d'avoir le trophée, vous voyez. Donc le plus important c'est d'avoir le trophée bien sûr. Donc voilà, j'ai pas la pression de gagner le match en même temps, parce que quand tu joues le match tu dois notamment faire les défis et gagner le match. Donc voilà, moi je vais essayer quand même de faire les 7-3 points parce que c'est plus facile quand même, surtout avec mon Curry qui a 10 à 3 points. Voilà, Blake Griffin et Chris Paul, donc pas de pivot hein. Meneur, Chris Paul et Blake Griffin, il est fort. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai sauté les autres parce que j'avais ragé dans un des matchs, j'avais ragé, j'ai revu Zomi et je me suis dit j'ai trop ragé donc j'ai décidé de ne pas poster, mais bon on va refaire le match puisqu'on va refaire les défis. Entre deux, attention. Ah, une passe. Oh, bah, tir parfait en plus. D'accord. Richard Teach, allez. You know the rules, comme dirait Chris Paul, si vous connaissez. Merde, pourquoi je saute. Griffin. Oh, faute de temps, yes. Merci. Le chrono. That one's gonna haunt him. Ah ouais, un peu trop tôt, j'ai. Oh, that's slick with the crossover. Shaquille O'Neal. Stephen Curry. Les Curry, un peu trop tôt, non. J'ai cru que j'avais fait un peu trop tôt, mais finalement. Ouais, donc on a 4 minutes. On a 6 temps, allez, le contre de chaque. Et 3 points, tir parfait, allez. On commence bien sur ce match. Attention. Et il fait des passes. Il veut pas tirer, il veut pas dunker. Non mais c'est Curry hein. Some people blame the game. I blame the player. D9. Oh le filou, oh le coquin. Offers up the jumper. Stays out of trouble with the crossover. Allez. Works it around. Griffin. Jump shot. Oh là là. Le tir parfait. Donc ça fait 4 points. Oh merde, putain, des rebonds que je récupère avec chaque. Oh, attends, tu pousses comme ça, ah, d'accord. Oh, mais pourquoi vous voulez pas dunker, mais pourquoi vous avez peur.
Ah putain. Mais... Ah voilà. Putain, chasse. Curry. Goals for the jumper. Ah la deux. Ah donc on a la jauge. Ah ouais, on a endurance. Ça c'est bien. Ça c'est bien. J'aime bien parce que je suis quelqu'un qui appuie, qui utilise beaucoup l'endurance. Là c'est juste, je peux driver comme je veux. Sure how he missed that one. Here he goes. Oh non, with another jump from. Not exactly making his mama proud. Oh, that's nasty. Quick hands. Oh man. Wait. Oh, ouais, donc 12-14, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Curry. Point aller pour prendre la main. Sweet move on the crossover. He rocks the rim. Not sure how he missed that one. Quick pass to his teammate. Et ça rentre. Allez! 18-16 plus 2. Allez, le compte de Curry! Oh, dommage. A missed opportunity there. Curry à 3 points! Parfait, allez! On prend l'avantage. Play Griffin! Faudrait que j'arrête de sauter quand même. Oh, mais ça merde là, les tirs parfaits. Pourquoi pourquoi tu aimais un tir parfait? Give me that. Yo-yo's the dribble with the crossover. Wow. Aïe, ah oui. Aïe. 21-22 quoi. Stephen Curry. Brick happens. Goes with a leaner. Oh oui, défi terminé. Donc on a terminé le défi, maintenant on se concentre sur la victoire. Blake Griffin. Ankle breaker. Ah oui, je contre. Allez. Oui, on a la balle. Et ça rentre quand même. Oh, tir parfait. Allez. Allez, mon gars. Magnifique le tir. Ceux qui connaissent, enfin qui n'ont pas joué à ce jeu, la loterie que j'ai eu là, la balle qui est violette, pardon, bah, chaque tir ça rentre, et le tir il rentre à 100%, à infini de pourcent, même si c'est super contesté. Allez, allez-oop. Ah non, mais je veux un allez-oop. Ah, he's breaking ankles. Oh, il a volé, wesh. Je l'ai même pas vu dans l'écran. Stephen Curry. Oh là là, le tir là, magnifique. Donc on a eu la victoire plus le défi de ce match. Donc avec Curry 35 points, mais quand même pas n'importe où, presque. Ouais, donc là je vais faire les défis des autres matchs. Oh, vous avez gagné Shanghai, donc oui, voilà. Pour un nouvel élément de trésor, ça a moins de temps pour tirer. Ah d'accord, oui d'accord. Ouvrez votre pack de nouveaux joueurs, ça je sais donc. C'est donc on va ouvrir le pack d'abord.
Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est que quand tu... Je vais baisser la musique parce que c'est un peu trop fort. Oui, voilà, quand on gagne le tournoi plus et on fait tous les défis du tournoi, en fait, on reçoit une balle. Mais sauf que la balle, je sais pas comment la prendre, quoi. Donc si quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui joue à ce jeu et qui sait comment on fait, s'il te plaît, réponds-moi en commentaire. Et ben voilà. Donc Warriors, putain, Warriors, il me reste deux jours. Chris Mullin. Ouais, Chris Mullin est un bon, très bon joueur à 3 points. Non ouais, il y a rien à faire. Donc on va aller ouvrir le pack. Là j'attends une légende. 50 nuances de NBA. Ok. Et on effectue en double, donc 100%. Là, je vais bon, je me sers pas de lui, même Tyreek Evans. Ok, Hassan Whiteside, bon. Ok, Spud Webb et... Oh! The Beard himself, James Harden. Donc, on a eu la barbe, James Harden. Donc on va aller voir direct. Alors Houston. Alors James Harden, statistique 7 à 3 points, 8 en 2 points, 5 en dunk, 6 interceptions, 4 endurance, 7 vitesse, 9 endurance. Ça va, c'est pas mal, ça va, c'est bien. James commença à faire pousser sa barbe emblématique. Ah d'accord. Super quoi, le mec est quand même... 8 ans. Ah ouais, j'ai du boulot, hein. Et si tu lui coupes la barbe, ça fout la rage. Attendre 9 ans encore. Attendre 8 ans, pardon. Donc, après, le James Harden, le designer Philippe Perraich, oui, est une série d'honneurs reprenant le profil de... Bah oui, ok. Bon, d'accord, ça on s'en fout. C'est juste ça. C'est mon premier joueur des Rockets. D'accord. D'accord, intéressant. Intéressant. Trop loin. Mais bon. Je vais essayer de jouer avec lui. Attendez. Donc marquer 20 points avec des 2 points. Je vais essayer avec James Harden. Voilà, James Harden, où es-tu, Houston Rockets? D'accord, on va essayer James Harden. C'est donc c'est ma troisième légende que j'ai eue. Si je me trompe pas, le défi c'est de faire 20 points avec des 2 points, d'accord. D'accord. Parce que dans la vidéo, j'ai supprimé. Enfin, parce que oui, j'ai supprimé, mais je ne l'ai pas posté. Parce que j'avais rage. Donc, c'était sur ce match. Je galérais à faire les défis, mais comme un con, je me suis dit, bah, ça a rien. Je fais les matchs. Je les gagne. Je gagne les matchs. Ensuite. À la fin, je it's quarterfinal action. We've gone from 16 to 8 teams, EJ. Amen. 16 minus 8 leaves 8. It only gets tougher from here, baby. You are crushing the math portion of this, EJ. Yes, baby. Donc c'est Willis Reed et... Willis Reed. Non, mais je... Oh, je sais pas. Allez, donc, on commence avec un 2 points de James Harden. Reed. Davis. Oh, for the jumper. Brick Adams.
looking for his other player. He's breaking ankles. Jump shot. The shot is good for two. Je m'en fous de perdre. Hein. Je, comme je disais au début, le truc, c'est prendre d'abord le défi. Ok, ok, Davis. Fires the jump shot. Allez, it's good. Ah, de droite. Je crois qu'il a tiré de la droite, non? Willis Reed. Oh, that's slick with the crossover. Mais calme, chef. Bon, ça, ça rentre. Hein. Nothing but nylon. J'aurais pu tenter un 3 points, mais. Anthony Davis. Le défi. He got gone. Shoot the jumper. You ouais, need less. Ça, j'aime pas, là. Offers up the jumper. That's for two. Bon, James Harden ne rate pas. Hein. J'ai raté un seul shoot à cause de l'animation. Merde. Attack, baby. Voilà. Ankle breaker. James Harden. Kaboom. Oh, il rate pas. Hein. Sur la planche encore. Willis Reed. Allez, défense, défense, défense. Beautiful crossover. Ah merde. Ah oui. Perfect form. Non. Give me that. Oh, merci. That is weak. Yeah. Nothing but the nylon, baby. Anthony Davis. Allez, Get it out of here. Chaque, mais au contre, il est violent. Yes, allez, 18 points. Il me reste un seul point et j'ai le défi. Quick handle. Mais il faut pas sauter en fait. Merde. Faut pas sauter sur les rebonds, ça ne sert à rien. D'ailleurs vous pouvez rater les rebonds. Oh non, mais non. Willis Reed stays out of trouble with the crossover. Oh, he just took his masculinity. He's swiping the rock like a trophy. Yes, on a eu le défi parce que ça rentre. Yes, on a eu le défi. Plus la victoire peut-être, pas de 3 points. And they're on a move with the distribution. Wow, bon, on a eu la victoire, on a eu la victoire. C'était pas un 3 points. Donc voilà, on a eu la victoire. You've got the victory. It's all about the win, baby. Going to the next level. Donc on a le défi. Ah oui, on a upgrade, c'est ça. Donc là, le prochain défi, c'est les contres. Contre 1, des loupes. Ouais. Donc j'avais déjà fait là avec Shaq. Donc j'espère que je pourrai le faire. Allez. Donc vous voyez les commandes. Hein. Donc c'est plutôt facile hein, quand vous habituez à ce jeu. Bon, la première fois que j'ai joué, c'est vrai que je galérais un peu sur les touches. Mais bon, quand vous. Moi, au bout de 2 jours, j'ai réussi.
It's tournament time, round one, and we are at the playground, ready Donc, for action. 16 teams enter, and one de micro. Takes home the chip. Oui, voilà. C'est plutôt simple. Au bout de, I gotta admit, deux jours, I'm a little bit starstruck. Question is, allez. Are we gonna see a new star rise or an old one shine? Fires up the jump shot. He pulls it down. Ah, goes with a leaner. Oh, the humiliation. That's off the mark. Look out for the brick. It's oh, good. Oh, j'ai récupéré plein de. George Gervin. Ah, c'est George Gervin, d'accord. Offers up the jumper. EJ, you think he actually understands the whole concept behind basketball? Not with that ugly shot, Ian. Put it on the board. That's cool. Wilkins. What a crossover move. Monster on the boards. George Gervin. Oui, oui, oui. Oh, non. Oh, le ok, 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 ok. Je sens qu'est-ce qu'ils veulent. Ah, le layup tout pourri. Oh oui, voilà, le défi est terminé. Ah, donc on va... Non, mais pourquoi j'ai redémarré comme un con? Pourquoi j'ai redémarré? Je voulais quitter parce que je crois quand on... Je crois, hein. Sinon, pas je rage, mais j'aurais le seum, quoi. Ok, un avion de merde qui passe. J'espère que vous en doutez pas. Plein de gens ont décidé de contrer son mec. Non, c'est vrai. Welcome everybody to the tournament. Iron Eagle along oui, je l'ai eu, donc je quitte. Ça ne sert à rien. Voilà, bravo, vous avez terminé tous les défis, un nouveau ballon. D'accord. Oui, donc j'ai terminé tous les défis. Donc, bah voilà, hein. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça me fait très plaisir, et à vous abonner, et bah voilà quoi. Donc on va terminer par ça, on va voir les cartes alors. Attendez, voilà. Donc bon, je ferai ça tout seul. C'est pas grave, donc abonnez-vous, pouce bleu, peace.